Hey, salut tout le monde, ça c'est les ponts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 en live pour ce 6e épisode de Caillou Perico. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Hop, pour aller sur le tableau de bord, il faut aller ici. Hop, voilà. Maintenant que je suis à l'intérieur, bon, mission préliminaire, il y a matériel. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel? Coffre du code du coffre, charge explosif, duplicateur d'empreintes. Je pense que je vais commencer par le premier. Voilà, c'est parti. Ok, rejoins le dépôt ferroviaire de Grapicide ou Grapicide, Grapicide, je sais pas. Allez, c'est parti. Allez, je suis devant le dépôt ferroviaire, donc je dois éliminer les frères O'Neill. Ok, bon. Est-ce que je dois lancer les requêtes? Je sais pas du tout. Vas-y, je vais tenter. Hop. J'espère que je vais pas annuler la mission. Bah, si c'est ça, ça a l'air facile. Hein. Donc là, c'est bon, je les ai éliminés. Ok, bon, maintenant je dois fouiller leur maison. Bon, leur maison c'est à côté. Je vais y aller sur place. Et ils font beaucoup de choses. Hein. Il y a pas mal de missions qui concernent les frères O'Neill. J'ai pas bien compris, j'avais pas eu le temps de lire, bah, je pense qu'il faut éviter de faire exploser. Je vais descendre là, hop. Je vais prendre fusil à pompe au cas où. Parce que je sens que la maison elle est chargée. Hein. Ouais, j'entends très bien. Voilà. Je savais que c'est chargé de toute façon. Allez, pas de violence, mais quand il faut, quand on est obligé. Oh, il m'a fait mal, hein. Il m'a fait beaucoup, beaucoup mal. Oh, oh, oh. Calmez-vous les gars, j'ai rien fait, je vais juste récupérer quelque chose qui m'appartient pas peut-être. Vous êtes où? Montrez-vous. Hop. Je vois pas sur qui je tire. Toi t'es mort. Hop, toi aussi t'es touché. Voilà. Fusil à pompe il fait très très mal. Hein. C'est pour ça que j'adore utiliser le fusil à pompe sur ce GTA. Toi t'es touché. Est-ce que t'es mort? Oh, toi aussi. Il est mourant en tout cas. C'est fini. Alors, localiser le sous-sol. Ah, je ne me souviens plus. Ah, le sous-sol, je pense qu'il doit être par là. Il doit être par là, le sous-sol. Hop. Hop, ça c'est fini. Il se croit dans, sur son cheval. Voilà. Je ne fais plus IA maintenant. Je pense que c'est ici le sous-sol. Ah, c'est les toilettes. C'est les toilettes ici. Hop. Pas de cadeau.
C'est par ici le... Ah ok ok ok, maintenant je dois les éliminer. Bon, il faut que je sorte dehors alors. Allez, c'est parti. Ah, il m'a dit de fouiller le sous-sol, maintenant il faut les éliminer. Faut pas que je sors trop rapidement. Ah, ils sont partis, ils s'enfuient, ils s'enfuient. Ils s'enfuient, il est où la sortie? Je suis complètement perdu là. Je suis rentré par où? Ah, je suis rentré par là, je crois. Hein. Non, même pas. Donc ici, là, là, la sortie, ça doit être... Wow. Ah, c'est bon. Sur la sortie. Bon, ils tournent autour. Ils font exprès. Ils cherchent que je les explose. Bon, j'ai un altéri pour ça. Allez. Hop. J'ai pas besoin de descendre sous sol, hein. Du coup... Hop, toi t'es mort. Ah, c'est juste ce qu'il faut. J'ai la clé. C'est bon, j'ai la clé. Je pensais aller chercher plus loin, mais non. Récupérer la carte d'accès. C'est bon. Je vais juste récupérer. Heureusement que là, ça n'a pas explosé avec le véhicule. Hein. C'est ça qui est bien. Hop, c'est bon. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok, il faut que je descende au sous-sol maintenant. Maintenant que j'ai la clé, il faut que j'ouvre... J'ouvre... Ah, il y a toujours quelqu'un. Bon, cette histoire, c'est pas fini. Vas-y, c'est fini pour toi. Faut que je rentre à l'intérieur. Il y a beaucoup d'histoires dans cette maison, hein. Comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans cette maison. Et le sous-sol. Ah, maintenant qu'il est indiqué, bah, il n'est pas difficile à retrouver. Je pense que c'est par... Ouais, c'est là. Ils ont mis le code, c'est normal que je ne pouvais pas rentrer. Hop, j'ai laissé passer. Alors, ouais, c'est bon. Là, 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 je suis accompagné là. Ah, il y en a un qui va monter. Ah, il était armé de couteaux. Il est sérieux, il était armé de couteaux et de la hache, quoi. Ils étaient sérieux, les mecs. Ah, mais c'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète. You know how expensive this stuff is? So expensive, the man with 11 fingers will not let it go without a fight. Ah, ok, je sors vite, je dois sortir vite. Donc je me fasse exploser. Enfin, donc je me fasse défoncer tout simplement. Hop. Ah, je suis parti aux toilettes, j'ai eu peur. la sortie, s'il vous plaît. C'est bon, je suis à la sortie. Allez, vite, 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 vite. Elle n'est pas l'air d'être pressée, hein. Il n'est pas l'air du tout pressé. J'ai l'impression d'être niveau 2. L'hélicoptère en feu. Livrer les charges explosives aux Kozakka. C'est parti, la livraison. Voilà, la mission préliminaire terminée. Pour cette sixième épisode, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao ciao.